conservateur de prodige, la fleur du meeting aérien, tout le gratin de la voltige, garde leurs casques à la main. Je vais sur leur exécuteur, malgré la sainte horreur du vide, quelques figures intrépides, dans mon aéroplane blindé. Suis-je distrait, mon docteur, s'il vous plaît, à quoi peut bien servir un manche à balle? Qu'est-ce que j'ai dit qui vous fait cet effet? Le fait que je m'effraie à monter dans la cabine de pilotage. Tous ces cadrans, tous ces leviers qui semblent narguer mon courage. Juste au moment de démarrer, c'est parti. Mon Dieu, quel furieux décollage. Je suis tout, dans un boulot de barbelé. T'en sais plus, c'est assez. Pendu au train d'atterrissage, j'en suis tout retourné. Quelques curieux décapités, des carnages médaillés. Malgré ce sérieux handicap, oh mon Dieu, on va taper un petit raspa. On s'amuse comme des fous. 1300 kilos de carreaux, et plus chine à mon copilote a une attaque. Sauf qu'il paye assez tôt. Il a gerbé tout son revenu sur les genoux d'un sapeur-pompier. Quand on se demande bien ce qu'il fout, hein. Comme on aéroplane de l'air, allez, sortez, sortez, ou alors sifflez. Comme on aéroplane blindé, un déluge providentiel fait que de belles effarouchées cherchent refuge sous mes ailes. Attention les gamines, pour le vol du cordon, va y avoir du frisson dans les chines. À fond les gaz, on attaque un looping, jusqu'à la sortie du Grand Canyon. Un petit carré, j'ai comme la sensation d'être un chewing-gum au fond d'un lance-pierre.